Bonjour, je m'appelle Yannick Seyer. Voyons aujourd'hui comment fabriquer un serre-tête de chat. Voulez-vous déguiser en chat? Très facile, être smart. Il n'y a pas de problème. Alors, vous avez besoin d'un serre-tête. Si vous n'en avez pas, je vous propose de prendre un tuyau comme celui-ci, PVC, souple, diamètre 10 cm, et de couper une tranche. Donc demandez à un adulte de la couper afin d'obtenir donc une tranche comme ceci de PVC. Une fois découpé, je vous suggère bien sûr d'ôter tout ce qui pourrait faire mal, donc les angles, etc. et les bavures. Coupez bien sûr au centre ici et également deux trous. Un ici et un là. Donc, si on regarde, diamètre, enfin, quasiment opposé. De façon à, lorsqu'on le pose sur la tête, les deux trous ou les deux fentes sont sur le côté. C'est l'intérieur de ces fentes que nous allons placer. Donc, les oreilles de chat. Bien. Alors, pour réaliser les oreilles de chat, je vous propose de prendre des morceaux de carton. Voilà. Une fois que vous l'avez découpé, voilà une oreille. Donc vous en découpez deux. Deux doubles. Recto, verso. Avec ici les languettes. Voilà. Pliez les languettes. Cette étape terminée, je vous propose donc de colorier avec de la peinture. Alors soit en noir, soit en rose, en jaune, en vert. Moi je les ai déjà peintes en noir. Voici une noire. Et une rose. Bien. Alors c'est très simple à poser à l'intérieur des fentes. Donc on va prendre le noir. Voilà. Il n'y a plus qu'à plier à l'intérieur. Voilà. Comme ceci. En voilà une. Voilà. Deux oreilles. Il n'y a plus qu'à poser. Et voilà. L'illusion est entière. À présent, vous pouvez également peindre votre nez en noir. Donc, c'est un triangle. Donc, prendre de la peinture noire. Ah. Et voilà. Donc, tout ce qu'il faut pour se maquiller. Ah. Avec du noir. Et puis, donc, vous pouvez faire aussi des moustaches. En faire trois. Et voilà. Voilà pour le joli chat. Un serre-tête de chat, enfin, du moins un serre-tête avec des oreilles de chat, très facile à réaliser. Une petite touche de clinquant, c'est simple. Donc vous les retirez. Il est évident que ce qui est en blanc ici, vous pouvez le colorier en noir avec un feutre indélébile, évidemment. Ou alors, comme nous l'avons vu récemment, avec de la laine, couleur de vos cheveux. Là, eh bien, il suffit de passer donc une laque sur, voilà, comme ceci, de prendre, eh bien, du brillant, comme ceci, et de saupoudrer, voilà, comme ceci, et de repasser un petit coup pour que ça tienne. Et voilà, un peu de clinquant. Faire un chat avec de jolies oreilles brillantes. Voilà. Voilà, je suis élégant. Joyeux Halloween à tous.